Autre module important, le calendrier. Le calendrier, il est très riche et il plaît beaucoup dans BlueMind. Il permet de gérer des calendriers d'utilisateurs, de groupes, de ressources, donc les véhicules, les vidéos, les réservations de salles ou autres. Tout ce qui est rendez-vous privés, les délégations et les droits, donc la gestion de tags, catégoriser des rendez-vous, pro-commerce, direction, personnel ou autre. La gestion des alertes, les recherches de créneaux de disponibilité, export-import d'ICS, les impressions, etc. Donc là aussi, je vais faire quelques clics dans l'agenda. Donc je vais dans l'agenda BlueMind. Je vais d'abord aller dans mon calendrier personnel. Donc voilà mon calendrier. Je peux naviguer, je peux créer un événement. Allez, c'est Noël, séminaire, soit un événement rapide, soit donner un peu plus d'infos. Et là, je vais aller dans un écran complet. L'événement 2, je pourrais mettre un lieu. Celui-là, il est à Montréal, à l'INIS. Définir qui est l'organisateur, rajouter une étiquette. On va dire que allez, c'est du marketing, mais c'est du marketing et je dis n'importe quoi, du commerce. Une description qui peut être plus ou moins longue, en HTML ou non. Ici, une alerte, une récurrence, ah, c'est un rendez-vous toutes les semaines, c'est une réunion, je vais dire que c'est tous les mardis et vendredis, mais plutôt une semaine sur deux, qui se termine ou se termine jamais, etc. La recherche de disponibilité, maintenant si à cette réunion je souhaite inviter, par exemple, ou à cet événement je souhaite inviter Pierre Carlier, je vais choisir Pierre Carlier. Si je souhaite même, j'ai besoin d'une ressource, par exemple la salle 2, et allez, je vais inviter toute l'équipe. Voilà. Automatiquement, vous voyez, vous avez les membres qui apparaissent, les ressources membres, l'application qui vous prévient, attention, là tout le monde n'est pas disponible, on le voit parce qu'Anthony n'est pas disponible, et vous pouvez demander à l'application, mais trouve-moi le prochain, alors on ne le voit pas trop ici, mais il y a un petit bouton, trouve-moi le prochain créneau libre automatiquement. Voilà. Et l'application navigue et vous trouve le prochain créneau. Et quand vous êtes OK, vous enregistrez. Est-ce que vous voulez ou non prévenir par mail les gens, envoyer, lancer le flux d'invite. Ça, on pose la question parce que des fois, vous créez, vous envoyez le flux d'invite. Ah, mais je me suis trompé, je fais une erreur. Et vous remodifiez pour ne pas envoyer 5 mails de suite aux personnes. Voilà. Et donc là, j'ai dû créer mon événement ici. Donc là, on voit que c'est un événement avec plusieurs personnes, que j'ai mis deux catégories, ici. Autre iconographie, comme ceci, là, pour les événements récurrents, typiquement. Voilà. Évidemment, j'ai plusieurs types de vues. Moi, vue liste, plusieurs outils que je vais montrer. Ensuite, je peux, dans mes vues, rajouter quelqu'un. Donc si je veux voir le calendrier de Sylvain Garcia, j'ai le calendrier de Sylvain Garcia qui apparaît. Je peux le désactiver momentanément, il reste dans ma liste favori, mais le désactiver, et ou le réafficher, ou le supprimer complètement. De la même façon, je peux choisir le calendrier d'une ressource, voilà, d'une salle, ou de toute une équipe. Si je veux avoir les calendriers de tous les membres de l'équipe, de n'importe quel groupe, hein, là je prends un groupe, voilà, j'ai les calendriers de tous les membres du groupe. Et pareil, je peux en masquer temporairement certains ou autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois que j'ai une vue qui me convient, par exemple, je peux me la sauvegarder. Je vais dire que j'ai besoin de rajouter aussi l'agenda de... Non, pas Sylvain, il est déjà Stéphanie. Voilà. C'est-à-dire, cette vue, c'est ma vue d'une de mes vues de travail. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais la sauvegarder, je l'enregistre et je vais dire c'est ma vue de l'INIS. Voilà, je la crée. Ainsi, je peux tout changer. Donc, je vais revenir à mon calendrier, je vais passer en vue jour, n'importe où. Et en fait, à un seul clic, je pourrais revenir à ma vue INIS. Oui, sur la semaine en cours. Et donc, ça va sauvegarder quel calendrier était affiché, quel type de vue, semaine ou autre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous créer autant de vues que vous voulez, et donc de contexte. Par exemple, un gestionnaire de ressources va se créer une vue avec les 5 salles ou les 10 salles que je gère, une autre vue avec les personnes avec qui je vais déjeuner, une vue projet avec les membres de l'équipe projet, une vue, si je suis à la direction, avec l'équipe direction, etc. Et à un seul clic, comme ça, vous changez de contexte de façon très simple. Et vous voyez que vous pouvez afficher autant de calendriers que vous voulez. Bon, je fais souvent les mêmes démos, donc les vues se ressemblent. Il n'y a pas de notion de délai ou autre en fonction du nombre de calendriers.
Si vous essayez un lightning avec 10 calendriers, etc., vous allez voir que c'est un peu plus long. Je peux aussi travailler par étiquette. J'ai une vue calendrier, je peux aussi travailler par étiquette. Ça veut dire que si je veux ne voir, par exemple, que les rendez-vous qui ont une étiquette, voilà, ou que les rendez-vous de type R&D, voilà. Et donc, je peux filtrer par catégorie, par agenda ou autre. Autre sujet, là, je vous ai dit qu'on pouvait imprimer. Donc les impressions au niveau de BlueMind, c'est des impressions, on va générer un beau PDF A4 qui va reprendre le code couleur que vous allez pouvoir paramétrer. Je veux du portrait, du paysage, je veux un noir et blanc. Voilà. Bon, on va faire quelque chose de plus joli, couleur, paysage. Et quand on enregistre, en fait, ce que va vous générer BlueMind, c'est un beau document PDF, donc A4 ou letter, enfin format du pays. Ah oui, ça c'est mon multi-écran qui fait ça, qui reprend le code couleur, la légende ou autre. Donc le scénario, par exemple, de l'assistant de direction qui tous les matins imprime l'agenda de son patron allumé sur son bureau, il est complètement faisable, dans de bonnes qualités, avec BlueMind. Voilà pour l'essentiel. On reviendra sur quelques sujets sur l'agenda. Si je vais voir dans mes préférences possibles au niveau de l'agenda, quand est-ce que débute ma semaine, quelle est ma vue par défaut, est-ce que je souhaite voir ou non les événements refusés, j'ai été invité et j'ai refusé, mais il y en a qui souhaitent voir quand même, il y avait tel rendez-vous là, est-ce que j'affiche ou dans les week-ends, à quelle heure commence ma journée, à quelle heure elle finit, quels sont mes jours ouvrés, tout ça, ça va être utilisé dans la recherche disponibilité. Si vous ne travaillez pas le mercredi par exemple, c'est pas la peine qu'on vous propose des rendez-vous le mercredi. La gestion des partages, de la même façon, voilà, si je souhaite que déléguer aussi mon calendrier à Pierre Carlier de façon très simple, je vais dire que Pierre peut modifier mes rendez-vous. De la même façon, je pourrais passer mon calendrier en public et selon les délégations que j'ai, aller gérer d'autres agendas. Donc là, de la même façon, on a des agendas personnels d'utilisateurs. On va aussi trouver des agendas de domaine. Donc à quoi ça sert? Si je vais là dans l'administration, dans mon domaine, en fait, vous voyez, BlueMind est multidomaine. Dans une même installation, vous pouvez gérer différents domaines séparés. Donc, sur ce domaine-là, au niveau agenda, je vais pouvoir avoir des agendas de type jour férié, de type les événements marketing de savoir-faire Linux, par exemple, si c'est chez vous en interne. Et du coup, c'est des calendriers qui appartiennent à l'institution et pas à quelqu'un. Et donc, vous n'avez plus le problème de ben, c'est la secrétaire qui gérait, le jour où elle part, ah, mince, c'était son calendrier à elle, comment je fais, je ne peux plus synchroniser, mais qui a les droits dessus, etc., etc. Donc, on a vraiment des données au niveau domaine, et c'est très utilisé, ouais. Au niveau calendrier, ou autre, que vous pouvez alimenter d'ailleurs par des fichiers CSS, parce que typiquement, un des cas standards, c'est les jours fériés. Vous récupérez sur Internet n'importe où votre calendrier des jours fériés de votre pays, et vous l'injectez dans un calendrier jours fériés. Donc, voilà en gros pour l'agenda. On y reviendra dans quelques minutes.